Le livre qui a changé ma vie, c'est La naissance du jour de Colette. Enfin, un des livres qui ont changé ma vie. La naissance du jour de Colette, pourquoi? Parce que d'abord, c'est un livre très court et ensuite que tout se joue dans la première page. Ou disons, en une page et demie, on a tout compris et on est bouleversé. En fait, c'est Colette qui a à peu près 55 ans au moment où elle publie La naissance du jour, c'est vous dire aussi la symbolique. Et elle décide de plus vivre pour l'amour seulement. Elle décide de plus vivre en fonction de ce que va donner son histoire d'amour, son histoire passionnelle, etc. Et elle décide de se déployer vraiment dans l'écriture de la nature, des bêtes. La gourmandise, enfin on connaît la grande Colette. Et ce livre m'a fascinée parce que ça commence par une lettre, ça commence par la lettre de la mère de Colette qui dit, bah voilà, je viendrai pas au mariage de ma fille parce que j'ai mieux à faire, il faut que je regarde mon cactus rose qui va fleurir. Et on a cette vieille femme qui parle de la merveille que représente le fait de voir fleurir son cactus rose, qui elle dit, ça ne fleurit que tous les 4 ans, or je suis déjà une très vieille femme. Et si je ne le regarde pas fleurir cette fois-ci, il se peut que je ne le voie plus jamais fleurir. Voilà. Et il y a toute cette image, cette symbolique de la personne qui est tellement amoureuse de la vie, de la fécondation des plantes, de toutes ces choses du monde, qu'en fait elle va laisser le culturel, elle va laisser les civilités, la politesse, et puis elle va dire, ben non, je viendrai te voir plus tard, mais là j'ai mieux à faire, il faut que je regarde fleurir mon cactus. Voilà. Pour moi, ça a été. Pourquoi ça a changé ma vie? Tout simplement parce que ça m'a autorisé à oublier les conventions. Voilà, tout simplement à oublier les stéréotypes. Faire ce que je veux, regarder fleurir ce que je veux.